Oh non! Oh non, je l'ai vraiment fait? Bon, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon lundi à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde. Et puis, écrivez dans les commentaires comment était votre première journée de la semaine. Soit d'école, soit de travail, soit de... Ouais, école ou travail. Qu'est-ce que quelqu'un ferait à part ça? École, travail. Moi, actuellement, je suis à la maison parce que j'ai pas de cours aujourd'hui. Bijou, il a l'école, il a des cours. Et puis, je vais vous parler d'un truc là, les gars, ok? Aujourd'hui, on va parler de mes cheveux, ok? Parce qu'il y a quelques abonnés là qui sont sur mes côtes à cause de mes cheveux. On va en discuter tout à l'heure, mais... ouais, c'est grave, on va partir là-bas, c'est mieux. Parce que ici, là, je vais rester debout tout le long. J'ai pas trop envie. Et puis, les gars, écrivez dans les commentaires, est-ce que vous aimez bien ça ou pas? Que je fasse des vidéos, genre, en direct comme ça. Parce que là, on est lundi aujourd'hui. Oh putain de merde. C'est mon livre. Je le jette après, je l'ai fini. Les gars, on est lundi aujourd'hui et puis la vidéo va sortir lundi. C'est genre, c'est comme si je suis en direct au fait. Genre, je fais des vidéos et je les sors le même jour. Dites dans les commentaires si vous aimez bien ça ou je devrais juste continuer à faire des vidéos qu'on prépare à l'avance et on les sort après. Ou bien vous aimez bien ça que je fasse des vidéos comme ça, des vlogs de ma journée quoi. Comme les gars, je les filme, je les travaille et je les sors le même jour. C'est pas ouf ça? Les vidéos que j'ai sorties durant les 4-5 derniers jours là, je les ai filmées, sorties le même jour. Donc dites-moi si vous aimez bien ça. Si vous aimez bien ça, je pourrais commencer à en faire 3-4 par jour. Hein, parce que tu vois, je fais que filmer, monter sur mon ordinateur, la poster. Et là, je peux aller à la next. Tu vois, je peux faire des trucs comme ça là. Donc je vais vous parler d'un truc là qui commence un peu à m'énerver. Là. Au début, ça ne me dérangeait pas, tu vois, vite fait et tout. Mais maintenant, ça commence à me péter un peu là. Bon, ça a commencé il y a quelques mois, ok. J'ai posté une vidéo et puis là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit « Junior, coupe tes locks s'il te plaît ». C'était un commentaire, je me suis dit, ah, c'est juste peut-être un troll, quelqu'un a dit ça comme ça, c'est rien de sérieux, tu vois, je ne veux pas le prendre en compte. Et là, ça commençait à être répétitif. Une vidéo sur 5, il y a quelqu'un qui écrit, Junior, coupe tes locks. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui a écrit, Junior, très belle vidéo, mais coupe tes locks, s'il te plaît. Comme, au début, ça ne me dérangeait pas, tu vois, vite fait, c'était un commentaire, deux, comme ça, tu vois, ça, je ne lis pas des commentaires comme ça. Mais quand ça commençait à être répétitif, là, ça a commencé un peu à me chauffer, là, parce que, les gars, laissez-moi vivre. En paix, laissez-moi me loxer en paix, je comprends pas. Vous avez quoi contre mes lox? J'ai même vu la dernière fois quelqu'un écrire Junior, tes lox étaient plus belles quand ils étaient moyens. Là, ça devient trop long, coupe-les. Wesh! Je comprends pas, comment vous me dites de couper mes lox, genre? Vous avez de l'emprise sur mes cheveux et vous me dites coupe tes lox. Je comprends pas. Comme, laissez-moi me loxer en paix, laissez ma loxation se faire en paix. Les gars, est-ce que vous voulez que je vous montre à quoi ma tête ressemblait il y a 3 ans? Sans lox? Attendez, j'ai même des photos. Voilà les gars, comment était ma tête il y a 3 ans. Sans locks, ok? Là, je faisais des twists à cette époque. Et en plus, le pire, c'est que je croyais que j'étais cool, frère. J'avais mes cheveux comme ça, j'étais en classe, ou je marchais dans la rue, dans le métro, dans le bus et tout, et j'étais comme ça. Avec mes cheveux, vous voyez ce délire-là? Ce genre de gars-là qui joue avec ses cheveux-là, alors que ses cheveux, c'est rien, frère, c'est un chiffon. Regardez ce que j'avais sur ma tête, les gars. Regardez ma tête. Regardez, Junior, les gars. Regardez ça. On dirait un chiffon. Un autre. Oh putain de merde. Là j'étais à l'école et je me croyais vraiment cool en plus. Regardez mes cheveux. Regardez comment on est passé de ça à ça. J'ai commencé à faire des locks et puis là ça a commencé à pousser petit à petit. Au début c'était petit, après moyen, après grand. Mais je ne pense pas que c'est grand hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des locks grands qui arrivent jusqu'à là. Moi je pense que c'est encore moyen là. Mais il y en a qui disent que c'est trop grand. J'ai dit on commence à couper tes locks frère. Non. Non, je coupe pas mes locks. Attendez. On va voir si mes locks sont grands parce que là actuellement mes locks sont twistés là parce que j'avais fait un retwist. Donc là, le style que je voulais faire, c'était des twists 2x2 ou 3x3. Donc là, je vais les défaire juste pour vous. On va voir si mes locks sont longs ou pas. Ça fait un style aussi, hein. Ça fait genre des vagues là. Bon les gars, voilà le résultat. Regardez, j'ai fait toutes mes twists là de mes locks. On va voir si tout est bien fait, si c'est clean. Regardez ça. Je pense qu'il reste des endroits que je n'ai pas défait, mais vous voyez, j'ai trop de cheveux là, tu vois, donc je ne peux pas vraiment les remarquer. Peut-être après ça, quand ma soeur va rentrer ou Bijou va rentrer, ils vont pouvoir regarder derrière et essayer de défaire tout ça. Mais sinon, j'ai fait l'essentiel, regardez. Vous voyez comment mes cheveux sont maintenant. Oh, c'est trop stylé, hein? Papa dans le goro. Purée, oh, c'est trop beau. Donc c'est ça, les gars, c'est ça que vous me dites de couper. Hein? Que c'est trop long, quoi. C'est même pas trop long, les gars. C'est parfait, c'est genre, ça m'arrive en... Oh du coup, à côté du... Ben, sur le coup même, ça m'arrive sur le coup. C'est parfait, c'est la taille parfaite, c'est genre... C'est clean, vous voyez? Junior, bouge tes locks. Junior, bouge tes locks. Et en plus, quand je fais les styles 2x2 ou 3x3, là, ce que j'avais tout à l'heure, là, et que j'ai défait, c'est comme si mes locks deviennent plus petits. Parce que, tu vois, la dame, elle prend plusieurs locks à la fois. 2, 3, voire même 4. Et elle les tourne ensemble pour faire le style, là.
Et là, quand je les défais, ils ont une forme de spaghetti. Donc, les gars, c'est pas si long que ça. Mais même si c'est long, les gars, c'est quoi le but des cheveux? De les grandir, non? C'est pas ça le but des locks? Grandir tes locks. Donc là, Clary, j'ai des locks. Je veux qu'ils arrivent ici. Ah, c'est trop long, je vais les couper. Non, c'est ça le but des cheveux. C'est l'histoire, frère. C'est l'histoire. Après, j'avais des trucs comme ça. Je vais pas les couper d'ici tôt. Non, 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 vous m'énervez, je vais les couper. Fuck that. Non, 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 vous m'énervez, les gars. C'est vrai. Fuck that, les gars, non. Les gars, si je suis dans cette vidéo, je descends dans les commentaires et je vois écrit Junior coupe tes locks. Oh, frère. Sinon, je vais les couper pour de vrai. Écrit coupe tes locks. Écrit Junior coupe tes locks, je vais les couper. Écrit Junior coupe tes locks, je vais les couper maintenant. Écrit. Attends, tu crois que je rigole en plus. Écrit Junior coupe tes locks. Écrit Junior coupe tes locks, je vais les couper maintenant. Attends, je fais clair, c'est moi, c'est pas moi qui perds dans l'histoire alors que c'est moi qui perds. Bon bref, juste quand même, écrivez coupe tes locks et je coupe mes cheveux. Je vais couper mes cheveux là. Regardez ça. Hein? Donc là, si tu t'apprêtes à écrire Junior coupe tes locks, supprime le commentaire maintenant. Supprime. Les gars, pour de vrai, je vous donne un défi, ok? À 30 000 likes, je coupe mes locks. À 30 000 likes cette vidéo, je vais couper les locks. On va faire plaisir à ceux qui ont la haine par rapport à mes cheveux là. On va les faire plaisir un peu. 30 000 likes, je coupe mes locks. Et ça va pas arriver d'ici tôt. Et putain de merde, les gars. Attends, imaginez cette vidéo-là atteint vraiment les 30 000 likes. Comme de nulle part, la vidéo atteint 30 000 likes, frère. Donc là, il y aura une armée de personnes qui ont envie de me voir couper mes locks. Hell nah, non. C'est pour ça que je suis allé loin, là, les gars. Parce que la vidéo la plus like, elle a 7 000 likes. La dernière fois, je me suis trompé quand j'étais avec Bijou, là. J'avais dit 1 600 likes. Non, la plus like, elle a 7 000 likes. Là, je dis 30 000 likes, je coupe mes locks. Fuck that. Et ça va pas arriver d'ici tôt. Vous êtes content maintenant? 30 000 likes sur la vidéo, je coupe mes locks. Et pour vous faire plaisir, les gars, je vais couper un petit bout, ok? Je vais couper un petit bout derrière, là, de mes locks, ok? Attendez. Vous voyez ça? Attendez. Oh non! Oh non, je l'ai vraiment fait? Fuck! Non! Donc, les gars, je vais me casser. Oh, fuck. C'est où? C'est lequel, frère? C'est où? Putain de merde. Et puis, je vais sortir une deuxième vidéo tout à l'heure. Donc là, restez à l'affût. Je vais sortir une deuxième vidéo dans même pas 1h30. Donc, activez la cloche. Et puis, on se voit dans la vidéo tout à l'heure.